en présentant un chiffre fabuleux, connu de tout le monde, 30 000 Nahda ont été ou exilés, vivaient dans l'exil, notamment en Angleterre et ailleurs, ou pris en prison en Tunisie, ayant souffert, ayant été marginalisés par le pouvoir. Ceci n'a rien de poids et de sens historique devant la souffrance de tout un peuple. Ça n'a rien à voir si on compare avec tout un peuple qui a souffert à tous les niveaux. Et c'est ce peuple-là qui a fait le 17 décembre et le 14 janvier. Et d'ailleurs, les documents historiques français parlent du triangle de la mort. Le triangle de la mort, c'est-à-dire les hautes steppes, la région de Gafsa, la région de Tell, de Kasraïn et la région de Sélian. Et ces régions-là sont historiquement des régions toujours en rebelle, contestataires, pour la simple raison qu'elles n'ont rien eu du pouvoir central. Et elles ont toujours payé l'impôt. Et aujourd'hui, ce sont ces régions mêmes qui sont productrices de richesses naturelles, le phosphate. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'impôt dans certains landes allemandes. Le phosphate, le pétrole, l'eau et les richesses naturelles. Donc, des régions qui ont donné le maximum et qui n'ont rien reçu, c'est pour moi, un historien, c'est tout à fait une évidence de réagir à leur manière. Et leur manière, c'est le soulèvement. Et aujourd'hui, un gouvernement Nahda qui collabore avec des RCD, il y a encore des consuls RCD en Occident comme dans le monde arabe. J'en connais au moins une douzaine qui sont des amis. Aller à Tripoli, aller à Benghazi, à Berlin, il y a encore les ex-RCD qui sont en rapport organique avec la diplomatie, ça. En matière de finances, la nouvelle vision des choses, c'est qu'ils sont en rapport direct et organique avec la finance islamique. Donc il y a deux systèmes de pensée réels, deux projets, comme vient de le dire Silvestre, qui sont en train de s'élaborer. Et je suis certain que la pensée financière en islam ne peut en aucun cas faire obstacle au capitalisme moderne. Ça, j'en suis sûr. Pour la simple raison. C'est que le capitalisme moderne a fait son histoire, alors que les finances musulmanes se sont arrêtées il y a des siècles à leur niveau très 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 bas. Donc aujourd'hui, un gouvernement Nadal, incapable dans sa pensée interne de penser démocratie, pour eux, ce n'est qu'un discours. Elle ne peut être qu'un discours, elle ne peut être en aucun cas un comportement ou une pratique. Et les rapports avec les médias, avec les opposants, avec la société civile, et je dirais un élément qui n'a pas été soulevé ici, à l'école. À l'école aujourd'hui, surtout si vous avez un enseignement en arabe, à l'école primaire ou dans le secondaire, si vous ne commencez pas votre sujet par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, eh ben, vous êtes allé. Absolument.